de laisser les petites interviews et bienvenue dans mon monde consacré à Steve McQueen. Bienvenue sur ITV Célébrité Interview. Nous sommes avec Christophe, bonjour. Bonjour à tous. Christophe, comment est venue cette passion pour Steve McQueen? Cette passion, elle est venue parce qu'en fait, Steve McQueen, pour moi, c'est un petit peu un père de substitution, comme beaucoup de fans de Steve McQueen. Moi, j'ai eu un père qui était absent à cause de son travail, il était beaucoup sur les routes. Et donc, j'ai dû manquer d'affection paternelle et j'ai retrouvé cette affection à travers Steve McQueen. C'est ce que je ressentais par rapport à son personnage, par rapport à son attitude d'acteur et d'être humain, parce que j'ai ressenti pas mal de choses. Et donc, pour moi, Steve McQueen, c'est un deuxième père, en fait, si on peut dire. C'est comme ça que je l'ai analysé, en fait. D'accord. En 2017, tu as participé à une exposition sur Steve McQueen. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, effectivement, en 2017, j'ai été contacté par Patrice Golupo qui organisait cette exposition. Ça se passait avenue du Tertre, c'est ça, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Et il m'a contacté à travers mon site internet. J'ai créé un site internet consacré à Steve McQueen. Et avec des contacts, une personnalité comme Jean Mulatier, par exemple, donc a été contacté par Patrice Golupo. Et c'est Jean Mulatier qui m'a introduit, en fait, si on peut dire, à travers cette personne-là. Et c'est lui qui m'a fait connaître de ce monsieur-là et qui a dit que je possédais pas mal d'archives. Donc ce monsieur est venu à la maison. Il m'a d'abord parlé de son projet. Donc ça m'a enchanté, forcément. Mon nom qui était collé à celui de Steve McQueen, ma vedette. Il est venu, il a trié des archives, des magazines, des couvertures de magazines, des disques, des DVD, ça l'intéressait pas trop, mais surtout des posters, des affiches. Et donc il est venu plusieurs fois à la maison. Et je lui ai donc confié mes archives. J'ai eu du mal parce que c'est des archives qui sont très chères à mes yeux. Et je voulais pas les confier à n'importe qui. Donc il m'a assuré quand même qu'il était sérieux. Moi, c'est vrai que j'ai vu le personnage, c'est vrai que c'était quelqu'un de très sérieux. Et donc j'ai pas eu de mal à lui confier. Et donc il a exposé ça pendant un mois, en fait. C'était au mois d'août, juillet-août 2017, comme on disait tout à l'heure. Et donc ça s'est très bien passé, il était très content de l'exposition. Donc il y avait une superbe ambiance, il m'a même convié avant le vernissage, au préparatif. Donc j'ai assisté à comment il mettait en valeur les objets, le projet qu'il avait. Là, il a fait venir une Mustang par exemple, enfin une copie, et comment elle allait être exposée. Il y a eu des artistes qui sont venus peindre directement une toile à l'exposition directe. Et il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Il y a des vedettes qui sont passées, il y a eu des gens qui sont très intéressés par Steve McQueen. Et justement, j'étais très agréablement surpris que Steve McQueen fédère beaucoup, beaucoup de monde. Bon, je sais que je n'étais pas le seul à l'aimer comme j'aime, mais de là à ce que ça puisse faire bouger plein de monde pour se déplacer pour voir cette exposition, ça m'a touché. En plus, mes archives à moi... Qui ont été exposés, c'était une grosse valeur pour moi. As-tu un film ou plusieurs films préférés sur Steve McQueen? Bon, en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que pour moi, c'est en fonction de mes humeurs, en fait. Je peux très bien dire aujourd'hui j'aime par exemple Papillon, et puis demain tu me poseras la même question et ce sera un autre film. Parce qu'ils ont tous, pour moi, une signification différente.
Parce que, en fonction de mon humeur, je peux très bien aimer, comme je disais, un film plutôt qu'un autre. Et puis le lendemain, comme je te dis, aimer un autre. Bien sûr, j'en préfère des. Il y a des films que je préfère plus que d'autres. Mais je trouve plutôt que c'est par rapport à mon humeur que je pourrais apprécier un film plus qu'un autre. Mais c'est vrai que j'ai une tendance particulière à apprécier, surtout, c'est pas tellement forcément un film connu de Steve McQueen, du grand public. Moi, j'aime beaucoup L'homme qui aimait la guerre. C'est un film en noir et blanc, donc c'est pas tellement plébiscité par les jeunes, les films en noir et blanc, mais bon. Moi, parce qu'en fait, il a un jeu d'acteur monstrueux, je trouve, parce que par rapport, parce qu'il fait, en fait, il fait beaucoup de, il y a beaucoup de plans sur son visage, et on sait très bien, les fans de Steve McQueen le savent. Steve McQueen avait la faculté d'exprimer des sentiments, des émotions, seulement avec son visage. Il n'avait pas besoin d'avoir un dialogue forcément poussé. Il disait tout sur son visage, tout est exprimé. Et en complément, est-ce que tu as par rapport à des époques, début, milieu ou fin, que tu préfères ou que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quel film, par quelle période il faudrait commencer? Ben moi, je conseille de voir Steve McQueen par ses plus grands succès, hein, La Grande Évasion, Les Sept Mercenaires, bien sûr, qui ont marqué les nombreuses générations. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Steve McQueen, tu as créé un site internet. Comment t'es venu l'idée et qu'est-ce qu'on peut trouver dessus comme information? Ben oui, effectivement, mon site internet, je l'ai créé, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'a formé sur comment procéder à une mise en page, une mise en ligne. C'est toi qui m'as appris les bases de la façon de faire un site internet. Et grâce à mes archives que j'avais dans mes cahiers d'écolier, que je gardais à l'époque, que je collais dans mes cahiers, j'ai trouvé qu'avec la nouveauté, tout ce qui était nouveau au niveau informatique, ça permettait de pouvoir exploiter mes archives et de les mettre en ligne, en lumière, et de les faire partager au grand public. Et le fait d'avoir créé ce site internet, ça m'a permis de faire des grandes rencontres, comme Monsieur Jean Mulatier par exemple, Claude Dudouis qui est un ami de la famille McQueen que j'ai régulièrement en ligne. J'ai pu aussi rencontrer des gens dans des salons qui étaient surpris de savoir que quelqu'un pouvait s'intéresser à Steve McQueen, et s'étaient enchantés de pouvoir apprendre des choses sur lui. Donc j'ai fait en fait une chronologie de Steve McQueen sur tout ce que j'avais. Donc ceux qui peuvent aller voir le site, c'est plus parlant que ce que je suis en train d'expliquer en vidéo. Mais c'est vrai qu'on voit, il y a des images, il y a des vidéos qui sont très rares, il y a des sorties qui sont annoncées, il est actualisé régulièrement. Ce qui est bien, c'est que j'utilise des archives que je trouve encore. Et je suis surpris, moi ça fait presque 40 ans que je collectionne sur Steve McQueen, même plus de 40 ans, et j'arrive encore à trouver des vidéos et même des images que je mets sur mon site internet. Donc ça permet d'alimenter le site régulièrement, et c'est ça qui est intéressant. Alors ce site internet, vous pouvez le retrouver dans les liens favoris juste en bas de la chaîne YouTube. Bien sûr. Il y a quelques années, tu avais un projet de faire un livre, et celui-ci est sorti, qui reprend l'ensemble des documents que tu as amassés. Et maintenant, tu peux le faire découvrir au bon lecteur qui aime Steve McQueen. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, mon livre, donc, il est écrit depuis pas mal d'années, mais je le réactualise régulièrement, parce que étant donné que je retrouve des archives qui sont très intéressantes pour le public. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire un livre qui est différent des livres qui sont déjà sortis dans le commerce. Une banale filmographie, une biographie. Moi, j'ai fait un axe différent sur Steve McQueen. C'est un axe qui n'a jamais été exploité. Je voudrais faire on voit le travail de Steve McQueen, en fait. Hors caméra, c'est-à-dire c'est pas des photos, par exemple, des photos de tel ou tel film. On voit Steve McQueen en train de faire son métier d'acteur.
Donc c'est pour ça que je voulais axer ce livre sur ce travail. Parce qu'en fait, je voulais me démarquer des autres. Et j'ai montré ce livre-là à des amis, à des proches, à la famille. Et c'est vrai qu'ils sont, ils sont contents de voir, même si, bien sûr, j'ai fait la filmographie, j'ai fait dans l'ordre, pour que ce soit chronologique. Donc on parle de son théâtre. Moi, j'avais jamais vu ça dans des livres, très rarement, des images, des photos de Steve McQueen en train d'exercer son jeu d'acteur dans le théâtre. On le voit dans les séries télévisées, au début de sa carrière. C'est des images, il y a très peu de documents qui existent. Et moi, j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Bon, bien sûr, il y a qu'une ou deux photos, mais c'est quand même une petite mine d'or, en fait, si on peut dire, pour les fans de Steve McQueen, de le voir en train d'exercer son rôle d'acteur, d'apprendre son rôle d'acteur dans le théâtre, à la télévision, et aussi, bien sûr, dans ses grands films. C'est le fait de le voir comme ça, comment dire, en dehors de son métier, enfin, je m'exprime mal, mais c'est en dehors de son travail, et là on le voit vraiment entouré de caméras, avec des photographes qui sont en train de le suivre dans son jeu d'acteur, et c'est ça que j'ai trouvé cet axe particulier et original, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. Et aussi à la fin, mais un peu plus tard, j'ai aussi répertorié toutes ces courses, parce que Steve McQueen est un passionné de sport automobile, de deux roues, de voitures, et j'ai essayé de répertorier toutes les courses qu'il avait fait, donc avec des images rarement vues aussi. Et à la fin, j'ai fait aussi une petite filmographie de Neal Adams, sa première épouse, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est Neal Adams qui était au départ, qui était connu avant lui. C'est elle qui a mis sa carrière entre parenthèses pour le lancer et puis bien sûr élever leurs enfants. Et Neal Adams en fait a toujours été présente dans sa carrière, donc non seulement elle lui a mis le pied à l'étrier, mais en même temps elle le conseillait. C'est elle qui lui faisait lire ses rôles, qui le conseillait dans tel ou tel choix de film. Et c'est grâce à elle en fait qu'il a eu cette carrière-là. Elle l'a supportée jusqu'au bout, même quand ils ont été divorcés. Elle donnait son mot en fait, son accord ou son avis. Il en tenait compte en fait. Tu viens de nous parler de Neal Adams et de Chad. Tu as eu plusieurs rencontres avec eux. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah oui, je peux en parler avec plaisir parce que c'est des rencontres qui sont mémorables pour moi. La première personne que j'ai rencontrée de la famille McQueen, c'est Neal Adams. Donc je l'ai rencontrée grâce à l'artiste peintre Natasha Toutain qui m'avait convié à une exposition d'un de ses vernissages. Elle m'avait donc invité et au départ, elle voulait faire une exposition sur Steve McQueen. Elle avait convié Neal Adams à être présente et donc elle m'avait invité, donc je m'y suis amené avec toi puisque tu étais présent, Sylvain. Et dans la salle, on avait aperçu Alain Delon, qui était là, parce que c'était un grand ami aussi de la famille McQueen, il faut le savoir. Et étant donné que Neal n'avait pas pu venir, elle a refait une exposition plus tard, mais en fait, c'était plus axé cette fois-ci sur Alain Delon. Donc, il y avait Alain Delon qui était invité, donc ça se passait au Fouquet's, le vernissage. Il y avait Alain Delon avec Anouchka, sa fille. Et donc, étant donné que j'étais présent, j'ai voulu bien sûr voir Alain Delon, lui parler, tout ça. Mais en fait, ce qui m'a interpellé, c'est le fait de voir dans la salle tous les photographes qui étaient prêts à mitrailler Alain Delon à sa venue dans le Fouquet's lors du vernissage. Mais au loin, moi, j'ai aperçu Neal, en fait, qui était au bras d'un ami qui était en fait qui s'avérait être un ami. C'était Claude Dudouis, qui est un Américain, qui est un Français qui vit aux États-Unis. Il avait amené Neal Adams par surprise pour cette exposition, pour ce vernissage sur Alain Delon. Et c'est là que, donc, là, bien sûr, je me suis amené vers elle, je me suis approché d'elle. Et j'ai baragouiné dans mon anglais scolaire que j'étais un grand fan de son mari, que j'avais créé un site internet. Et donc elle m'a gentiment dédicacé un papier quoi, que je garde précieusement. Et après, je l'ai re-rencontré dans un,
En fait, elle était venue à Paris parce qu'elle fait encore des cabarets. Elle fait quelques petites scènes, parce qu'il faut savoir que c'était une chanteuse, une danseuse à la base. Et elle a fait rue Saint-Jacques, c'est dans le 15e, je crois. Elle était invitée à faire une petite scène. Donc, c'est le Café Universel, comme je viens de dire. Et elle a chanté, enfin, elle est restée quoi, une semaine. Mais par l'intermédiaire encore de moi, grâce à mon site internet, par l'intermédiaire de Jean Mulatier, dont je parlais tout à l'heure, qui a lui une carte de presse, j'ai voulu officialiser la chose, ne pas faire le fanatique. Donc, je me suis fait passer pour son photographe, à Jean Mulatier, qui l'accompagnait lors de son interview. Et donc, on a pris rendez-vous avec le Café Universal, qui a contacté Neil et qui nous a accordé de la voir la journée avant sa première scène qu'elle faisait sur Paris. Et donc elle nous a reçus dans son hôtel. Elle nous a reçus à l'hôtel, dans un endroit où on peut, une espèce de réception en fait. Et elle nous a gentiment parlé, elle nous a ramené son livre qu'elle a écrit. Elle a écrit un livre, Neil Adams, sur Steve McQueen, My Husband, My Friend, qui n'est jamais malheureusement sorti en français, mais bon, ça c'est une anecdote. Donc elle nous l'a amené, elle nous l'a dédicacé, elle nous avait ramené aussi un CD, parce qu'elle fait des disques, bien sûr. Et enfin, c'était magique, parce qu'en fait, elle nous a offert un espèce de petit concert privé, parce qu'elle était avec une petite demoiselle qui était sa traductrice et qui s'occupait d'elle pour le Café Universal. Et cette demoiselle s'est mise au piano. Et Neil s'est mise à chanter, et puis elle nous a fait 4-5 chansons comme ça pour nous personnellement, donc c'était un bonheur fou, quoi. Et après, une troisième fois, donc j'ai été à Londres, parce qu'elle continue à tourner, malgré son âge, elle est née en 32, donc ça doit faire 2 ans maintenant. Donc elle avait 84-85 ans à peu près, donc elle fait ça toute seule. Et donc elle était à Londres, dans une espèce de. C'est une pizzeria en fait, qui en fait. À une salle en sous-sol, et en fait c'est une espèce de petit café-concert. En fait on mange et pendant qu'elle chante, pendant qu'elle fait son petit concert. Donc j'y suis allé avec 2 amis. Donc à l'époque j'avais fait une petite filmographie, comme j'ai le secret de mes passions, c'est de faire des filmographies d'acteurs. Et donc je lui ai fait sa petite filmographie à elle illustrée, et donc je lui ai offert lors du concert. Et après elle nous a accueillis, franchement, comme si on faisait partie de la famille, quoi. Et elle nous a embrassés, elle nous tutoyait, parce qu'elle commence à s'habituer à voir les gens qui l'aiment bien. Et donc, c'est comme ça la troisième fois que j'ai pu la côtoyer. On a échangé nos téléphones, nos emails. Donc, je réussis à lui parler, à avoir des petits contacts réguliers, régulièrement, enfin régulièrement tous les ans. Je lui souhaite son anniversaire, je l'appelle. Je lui envoie des petits mails. Des fois, j'ai besoin d'elle, je la sollicite un peu pour des interviews. Donc, elle joue le jeu. Et donc, elle voit ma passion pour elle, à travers Steve McQueen, bien sûr. Mais c'est des gens qui ont fait partie de ma famille. En fait, pour moi, c'est des gens qui sont plus que ma famille. Et en fait, après, la prochaine rencontre que j'ai faite, enfin, la rencontre suivante que j'ai faite, c'est Chad McQueen. L'année dernière, au mois de juin. C'est encore par l'intermédiaire de Natacha Toutain qui faisait un vernissage sur encore des. Mais c'était pas spécialement sur Steve McQueen, c'était surtout sur le cinéma en général et le sport automobile. Et donc, comme Steve McQueen est un féru de sport automobile, elle a fait son exposition, son vernissage dans un garage. Bon, petit clin d'œil à Steve McQueen, la mécanique, la moto, les voitures, enfin bon. Et donc, Chad est venu à ce moment-là. Mais sans que personne le sache. Natacha Toutain avait été aux États-Unis quelques mois avant, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une espèce de convention qui se fait. En fait, c'est pour apporter une bourse à l'école dans laquelle Steve McQueen faisait partie quand il était jeune. Et Steve McQueen, de son vivant, donnait une bourse à cette école-là, il a donné une espèce de subvention que la famille continue de faire. Depuis la disparition de Steve McQueen, tous les ans, la famille McQueen se réunit dans cette convention aux États-Unis. Donc, Natacha Toutain était présente, la famille McQueen lui a été présentée. Et Chad lui avait dit, parce qu'elle prévoyait de faire une exposition à Paris, donc il y aurait forcément des photos, enfin des peintures de son père. Et donc, Chad lui avait dit,
Bon, je passerai. Et en fait, il s'est trouvé que ça s'est passé donc en juin de l'année dernière. Et il se trouve que Chad McQueen est venu en fait en transit à Paris, parce qu'en fait il allait au Mans. Ça s'est trouvé au niveau des dates du Mans. Donc il a fait l'escale à Paris pour cette journée-là. Il s'est rendu à l'exposition. Et moi je m'attendais pas à le voir. Quand j'ai été à ce vernissage, je sentais quelque chose. Je me disais, mais on dirait qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, effectivement, c'est le fait que Chad soit là. Parce qu'en fait, quelques heures avant l'heure officielle de l'ouverture du vernissage, je me suis présenté avec toi, Sylvain, parce que tu étais venu, comme d'habitude, avec moi, m'accompagner. Et on était rentré dans le garage pour voir la petite exposition, mais la majorité de l'exposition était en sous-sol. Donc on a voulu déjà faire un petit tour, attendre l'heure officielle. Et donc on avait fait un petit tour rapide. Donc je suis sorti du garage, je me mets sur le trottoir, je retourne ma tête à droite ou à gauche et je vois Chad arriver. Je dis, c'est pas possible, Chad McQueen. Alors j'ai commencé à baragouiner. Chad, bonjour, je suis un grand fan de votre père. Puis il m'a demandé où était Natacha Toutain, donc forcément. Avec gentillesse, je l'ai accompagné. Forcément, c'était c'est l'artiste qui venait voir, c'était pas moi. Donc, il a quand même joué le jeu, il a été la voir, il a visité l'exposition, il a été présent, il y avait un cocktail de bienvenue. Donc, on a participé à tout ça. Et après, j'ai pu voir, en fait, Claude Dudouis, donc le Français qui vit aux États-Unis, donc un ami maintenant, et qui était présent aussi pour la même chose que Chad, c'est-à-dire il a fait escale à Paris pour aller au Mans. Et lui-même ne savait pas, parce que je l'ai un petit peu enguirlandé en disant « Mais quand tu m'as même pas mis au courant que Chad allait venir, j'aurais préparé des documents qui me signent, tout ça. » Il me dit « Non, mais je ne le savais même pas. » Je l'ai appelé, il ne m'a même pas répondu. Et donc, il a fait la surprise à tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai rencontré son fils. On a réussi à faire quelques petites photos. Toi, tu m'as filmé en vidéo en train de le remercier, de lui serrer la main, de lui faire une accolade. On voit mon émotion sur la vidéo et ça, c'est merci à toi. Et c'est un grand souvenir qui restera marqué à jamais. Et donc, j'ai aussi précisé cette anecdote dans mon livre. C'est pour ça que j'agrémente mon livre avec des anecdotes de ce que je vis. Et pour moi, c'est important de faire partager ces émotions-là aux gens, parce qu'ils éprouvent la même chose que moi, les passionnés de Steve McQueen. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau sur lui, on est féru d'informations. Et nous pouvons voir, pendant que tu nous parlais de lui, cette photo qui a été immortalisée, Christophe et Chad, ben sur oui. Le trottoir, à côté de l'exposition. Merci à toi. Et on voit que tu es encore très ému, et moi aussi, de cette rencontre. Ben, c'est grâce à toi qu'il y a ce cliché qui existe. Voilà. Et cette vidéo, on peut la retrouver sur ta chaîne YouTube, Nonius TV. Oui, tout à fait. Par un ami commun que tu nous as parlé tout à l'heure, Jean Mulatier, nous avons pu ensemble rencontrer une grande voix de doublage, M. Jacques Thébault, qui ensuite, par l'intermédiaire de l'association Jim West, les Mystères de l'Ouest, les Têtes Brûlées, nous avons pu participer au Salon des séries et Jacques Thébault était venu nous voir. Peux-tu nous parler de Jacques Thébault? Oui, Jacques Thébault, c'était une rencontre énorme pour moi parce que non seulement c'était la voix française officielle de Steve McQueen et celle de Robert Conrad, un acteur qu'on chérit tous les deux forcément, puisqu'il fait partie, c'est le héros de notre enfance, les Mystères de l'Ouest. Bon, il nous a reçus chez lui grâce encore à Jean Mulatier qui nous a permis de se servir de sa notoriété pour aller chez lui et pour pouvoir l'interroger. On a fait une interview et il nous a reçus comme on n'aurait jamais pu croire être reçu par quelqu'un, enfin un acteur de sa puissance pour nous. C'était magnifique, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler du travail que Jacques faisait sur Steve McQueen dans la série Au nom de la loi et dans les films qu'il a pu doubler? Ben en fait, il nous a expliqué qu'il avait eu Steve McQueen sans faire d'essai à l'époque. Il a été dirigé par un directeur de plateau qui s'est tout de suite approprié le personnage, même s'il disait qu'au départ de sa carrière, Steve McQueen ne parlait pas beaucoup, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il avait un jeu d'acteur facial, comment dire, il s'exprimait physiquement, et pas forcément avec les dialogues qu'il avait à dire. Et donc Jacques regrettait ça, mais après il a vu que Steve McQueen s'épaississait au niveau de sa carrière, de son jeu. Il a commencé à avoir des phrases un peu plus importantes,
des dialogues plus conséquents. Et il a adoré doubler Steve McQueen. Même il regrettait ne pas l'avoir eu sur tous les films, parce que étant donné que Jacques Thébault faisait du théâtre, il était amené à faire ce travail d'acteur au théâtre. Il n'était pas disponible au niveau de la synchronisation. Avant tout que l'émotion nous prenne encore, as-tu d'autres projets sur Steve McQueen que tu souhaiterais réaliser dans l'avenir? Ah oui, bien sûr, idéalement pour moi, ce serait de faire une exposition de mes archives. Mais j'avais pensé de faire ça avec un ami qui fait partie du club de l'association James West, qui est un grand fan de James Dean. Donc c'est des acteurs qui font partie de la même génération. Parce que j'avais peur que moi, mes archives, elles ne soient pas suffisantes. Même si j'en ai pas mal, il faut quand même habiller les pièces quand tu fais une exposition. Il faut quand même que ce soit quand même bien, bien achalandé et bien, bien représenté, hein. Donc j'avais peur avec mes documents, parce que ce n'est pas forcément des grands formats que j'ai moi. Donc avoir plusieurs salles, plusieurs pièces agrémentées de photos de Steve McQueen et puis un espace dédié à James Dean. Et je voulais faire aussi enfin, l'autre projet, ce sera de faire un documentaire, parce que j'ai pas mal d'archives vidéo, mais après, ce sera des problèmes de droit. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Parce que les vidéos, est-ce que j'aurai le droit de les exploiter? Ça risque d'être compliqué. Donc, l'idéal, ce serait que je puisse faire ça. Après, est-ce que je peux faire ça sur une chaîne indépendante, sur ma chaîne YouTube à moi? Mais bon, j'aurai quand même des problèmes de droit, à mon avis, qui me bloqueraient sur mon projet, en fait. Très bien. Oui, en fait, j'ai eu l'idée de créer un groupe Facebook, comme ça se fait régulièrement, parce que c'est la mode. Et j'ai remarqué qu'actuellement, on a à peu près 3 500 membres. Et donc, je tenais à remercier les gens qui agrémentent le groupe de nouvelles photos. Même moi, qui suis un passionné de Steve McQueen depuis plus de 40 ans, j'arrive à être étonné de leurs publications, parce que c'est des clichés ou des vidéos, des trouvailles qui publient. Et je tenais à les remercier ici, aujourd'hui, de leur participation, parce que c'est très important pour moi. J'ai un devoir de mémoire envers Steve McQueen, et ce groupe me sert de lien avec tous ses fans, en fait. Le maximum de fans, j'essaye d'accepter à peu près tout le monde, même si je fais une petite sélection en posant quelques questions concernant Steve McQueen. Si je vois que ce sont des parasites, je les supprime tout de suite. Donc c'est vraiment des passionnés de Steve McQueen. Je tiens à ce que ce soit dans ce sens-là, parce que sinon le reste, ça sert à rien. Sans penser à une compétition, Steve McQueen, tu le classes où parmi les comédiens? Eh bien, je ne peux pas répondre à ta question, parce que Steve McQueen, pour moi, il est au-dessus de tous. Bon, c'est pas, je peux pas le, enfin, il est hors catégorie pour moi. Steve McQueen, c'est le summum de l'acteur. Même il est même cité par les acteurs eux-mêmes en référence. Donc, moi, je peux pas répondre à cette question-là. Steve McQueen, il est au-dessus de tout le monde. Donc, non, je peux pas. Et d'après toi, maintenant, avec l'influence de Steve McQueen, est-ce que dans les comédiens d'aujourd'hui, il y a un peu une lignée? Bah, comme je disais tout à l'heure, il est cité régulièrement par les acteurs. Donc c'est une référence, même si il a fait que, en fait, il est démarré dans les années 60 jusqu'en 80. Donc il a fait qu'une carrière de 20 ans. Et malgré le fait qu'il soit dans cette petite tranche d'années, il a fait pratiquement que des succès. Bien sûr, il a pas eu que des tops, mais il a marqué les années 60. C'était lui qui était le mieux payé, en fait, en acteur américain. Steve McQueen est parti en septembre 1980. Il a laissé derrière lui une œuvre cinématographique. Est-ce que ses enfants que tu as côtoyés continuent à œuvrer pour ces films? Ben oui, en fait, ces enfants vivent de la notoriété de leur père. Donc, ils ont toujours un droit de regard sur tout ce qui sort sur lui, que ce soit un bouquin, un documentaire, un film. Chaque fois qu'il y a quelque chose sur lui qui sort, ils ont leur mot à dire, et c'est géré par Chad, puisque sa fille, malheureusement, est décédée en 93. Donc c'est lui qui gère la carrière de son papa depuis qu'il est parti, en fait. Imagine que tu prends une machine à remonter le temps, tu te retrouves à l'époque de Steve McQueen, quel métier aurais-tu aimé faire à côté de lui?
En fait, j'aurais pas pu. Je crois que j'aurais pas pu avoir un métier proche de lui, en fait. J'aurais plus aimé être un ami, en fait, un proche au niveau amitié. Dans le métier, je crois que j'aurais pas pu parce qu'il avait un caractère spécial, enfin un caractère fort. Et je crois pas que j'aurais pu supporter ça, vu mon caractère à moi aussi. Peut-être, je sais pas si ça aurait fait des étincelles, je crois pas. Mais je le considérerais plus, comme je disais au début, un père de substitution. Donc je me voyais pas. Le côtoyer dans un métier vraiment précis auprès de lui. Nous connaissons l'acteur Steve McQueen devant la caméra. Nous savons qu'il a réalisé quelques films. Est-ce que, d'après toi, tu penses qu'il aurait dû être plus souvent derrière la caméra? Oui, enfin, je pense que Steve McQueen aurait été un peu. Je fais un peu le parallèle avec Clint Eastwood, qui était de la même génération et qui est devenu un grand réalisateur. Je pense que Steve McQueen aurait eu ce genre de carrière. Il serait passé derrière la caméra. Il avait déjà fait quelques suggestions sur son avant-dernier film Tom Horn avec le réalisateur William Willard, qui pour moi c'était un faire-valoir, et je crois que c'est Steve McQueen qui a réalisé ce film. Et aussi sur Le Chasseur, il a quand même donné des directives pour la réalisation sur ce film. Et d'après toi, est-ce que tu as beaucoup de livres sur Steve McQueen? J'en ai pas mal. Dire que je les ai tous, ça m'étonnerait. Il y en a tellement qui sortent, et il en sort régulièrement tous les ans. J'essaie d'obtenir dans l'actualité sur ces sorties-là, et j'en ai quand même une tripotée, si on peut dire. Christophe, quelle œuvre audiovisuelle laisse-t-il au monde d'après toi? Bon, en fait, pour moi, Steve McQueen, c'est la référence, puisque je te dis, il est cité régulièrement dans des interviews d'acteurs. Par exemple, je vais citer Kevin Costner, qui le cite régulièrement, Brad Pitt, qui parle de lui. Donc, il a laissé quand même une empreinte indélébile dans le show business et dans l'actorat américain, en fait. Pendant qu'on y est, je vais poser une question aussi. Il sort pas mal de films sur Le Mans en ce moment, ou des. Pourquoi d'un seul coup on sort un film en rapport que avec la voiture? En fait. Je crois que c'est plutôt Alors on a axé, non, mais ça veut dire qu'on axe que sur le Steve McQueen égale la conduite. oui, il est assimilé quand même au sport automobile, parce que D'accord. Steve McQueen, en fait, il a à un moment de sa carrière, il a fait le choix de rester acteur parce qu'il avait la capacité d'être un grand pilote. Et dans mes bouquins que j'ai, il est fait référence à cette anecdote-là. En fait, Steve McQueen a décidé de rester acteur pour subvenir aux besoins de sa famille. Sinon, il aurait pu très bien devenir un grand pilote. D'accord. Après, justement, est-ce qu'il n'aurait pas réalisé plus sur la mécanique, lui? Ah bah ça, Hein? c'était un féru de sport automobile, de mécanique, donc il aurait très bien pu le faire, exactement. Voilà. Mais on aurait perdu l'acteur. Donc, Bon, après, il aurait pu faire des apparitions, mais. oui, il aurait pu faire Hein? les deux, oui, bien sûr. Alors, messieurs, d'abord, je voulais vous remercier pour cette magnifique émission, en l'occurrence Christophe Morin, mais monsieur Sylvain Marie en connaît quand même pas mal grâce à toi, même si l'homme que nous avons à droite en rouge est le président de l'Association des ministères de l'Ouest, que nous allons retrouver au mois de mars l'année prochaine. On avertit le public que ça sera au cinéma de la dernière séance où Eddie Mitchell évoluait. Dites-nous quelques mots quand même. Eh bien, ça sera l'occasion de vous parler d'une association qui a maintenant plus de 20 ans, qui est tout simplement consacrée à Robert Conrad et au mystère de l'Ouest, sans oublier bien sûr les têtes brûlées. Nous avons rencontré Robert Conrad en juillet 1999. Malheureusement, comme vous le savez, il nous a quittés cette année, et ça sera un grand hommage de lui rendre ce jour-là, que vous pourrez retrouver sur cette chaîne de Thierry. Donc rendez-vous au mois de mars l'année prochaine. Voilà, mais on parlera aussi d'autres séries, hein, je Bien sûr, pense. tout à fait. Hein, il avait fait, donc rappelez-moi. Il a fait une carrière, Les Têtes Brûlées, il a fait L'Homme de Vienne, enfin il en a fait une Agent tripotée. Peter Sloan, Oui, hein, aussi, Sloan, aussi. agent Donc, spécial. c'est pour ça que maintenant, nous sommes la mémoire vivante de notre acteur Robert Conrad à travers notre association. Et vous C'est faites assez. le pont entre Los Angeles et Paris. Ouais. Tout à fait. Exactement. Messieurs, merci, Bah, à bientôt. merci à merci à tous toi. et bon visionnage.